Bonjour tout le monde, on va attendre encore une petite minute, laisser le temps peut-être à ceux qui arrivent d'arriver calmement.
rebonjour à ceux qui sont peut-être arrivés il n'y a pas très longtemps. Il est 5 heures, donc nous allons commencer ce live qui était prévu pour 5 heures, donc pour 17 heures. On continue avec cette volonté donc, de vouloir pratiquer, partager avec vous, vous accompagner dans vos pratiques personnelles. Moi-même, donc William, et toute l'équipe du studio Nataraja, nous ferons quelques lives et quelques tutos, de la lecture et plein d'autres choses, des surprises aussi, toujours pour venir alimenter finalement cette pratique à la maison. Pour aujourd'hui, on va mettre un focus au niveau du cœur, au niveau de Anahata, le centre de nos émotions. Et on va démarrer cette séance en venant s'asseoir en Virasana. Donc on va tirer ici la peau des genoux pour décompresser l'articulation peut-être. Si c'est toujours inconfortable, tourner un peu les mollets vers l'extérieur. Tournez un petit peu, les dégager vers l'extérieur. Venez vous asseoir. Si c'est toujours inconfortable, si vous avez près de vous un livre ou un bloc, vous venez soit mettre le bloc ici au niveau des talons. Vous trouvez un confort aussi. Si c'est toujours inconfortable au niveau de la cheville, vous mettez le bloc entre les pieds et vous asseyez dessus. Une fois installé, on va juste poser le dos des mains sur le haut des cuisses. Se laisser inspirer, il n'y a rien à faire ici, juste à écarter les narines et laisser l'air frais rentrer. Et à l'expire, on va ouvrir la bouche et relâcher. Donc on se laisse inspirer tranquillement, pas d'action particulière. Et à l'expire, on relâche par la bouche. Relâchez toute pression au niveau du dos, des épaules. Portez votre attention sur la respiration. Venez accompagner le trajet du souffle avec de la distance, sans volonté aucune de vouloir intervenir. Profitez pour faire un scan de votre corps. Balayez votre corps, peut-être aller vers ces zones qui ont peut-être besoin d'être soulagées ou au contraire d'être fortifiées. Le tout est d'en prendre connaissance et d'adapter la pratique pour venir vous faire du bien, vous soulager. Si des pensées vous viennent toujours à cet instant précis, laissez-les venir, lâchez prise, observez-les, un constat, rien de plus, elles sont là, point. Sentez les os fessiers sur les talons. Visualisez coccyx, sacrum, la colonne sacrée, les lombaires et la colonne lombaire. Et à partir d'ici, on va mettre de l'espace entre chaque vertèbre, cette volonté, cette intention de se grandir, de s'étirer vers le plafond. Vous êtes dans la colonne dorsale et la même attention vous accompagne à chaque étage, entre chaque vertèbre. Mettre de l'espace, étirer la colonne vertébrale vers le plafond. Coulez les épaules légèrement vers l'arrière quand vous y serez. Emboîtez la pointe des omoplates, pointe de l'omoplate droite vers la fesse gauche, pointe de l'omoplate gauche vers la fesse droite. Visualisez un mur derrière vous et venez y déposer l'arrière du crâne tout en grandissant, en étirant la colonne cervicale. Le menton se rentre. Sommet du crâne est aspiré vers le plafond.
un auto-grandissement de la colonne vertébrale pour venir la réveiller, pour venir mettre en place la tête au sommet de l'empilement des vertèbres. Et on va devenir acteur de la respiration. Prochaine inspire, vous écartez les narines. Et en début d'expire, revenez absorber le périnée, puis relâcher. Encore une fois, vous vous laissez inspirer. Et en tout début d'expire, vous absorbez le périnée, le ventre va se rentrer, les côtes se resserrer, la taille s'affiner, l'air en être expulsé. Encore une fois, votre rythme inspiré. La gorge se gonfle, les poumons s'en remplissent et en tout début d'expire, vous absorbez le périnée, plancher pelvien, le diaphragme monte, puis vous relâchez. Encore une à deux fois, votre rythme respiratoire d'aujourd'hui à vous rendre acteur de cette respiration. Puis on va pouvoir ouvrir les yeux, entrecroiser les doigts, tourner paume de main vers le sol et étirer les bras tout en poussant, gardant l'architecture du dos, poussant le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez calmement et calmement, vous montez progressivement les mains, paume de main vers le ciel. Gardez les épaules basses. Laissez le dos peut-être cambré, mais pas trop, pas de cambrure excessive. Si c'est le cas, peut-être rétroverser légèrement le bassin pour venir retrouver l'architecture de votre dos. Continuez en début d'expire à actionner le périnée. Venez avec la main droite, mettre la main derrière la tête, la faire passer devant. Et la main gauche, la même chose. Donc vous avez la main droite au niveau du biceps gauche et la main gauche au niveau du biceps droit. Et ici, vous poussez l'arrière du crâne contre les mains. Regardez vers le plafond. Poussez les coudes également vers l'arrière. Expirez pour tendre les bras vers l'arrière, poussez deux des mains derrière la ligne des épaules, vers le mur derrière vous. Et expirez pour apporter la main gauche à l'extérieur du genou droit. Une torsion légère, sans forcer, la main droite est derrière les fesses. Prochaine inspiration, vous revenez au centre, poussez le dos des mains vers l'arrière, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Et expire, c'est la main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspirez pour revenir au centre, vous grandir encore une fois. Peut-être aussi changer le croisement, si le petit doigt gauche était en bas, vous le passez au-dessus. Tournez encore une fois la paume de main vers le sol. Et à l'inspire progressivement, vous montez les bras, paume de main vers le plafond, tendez les bras, descendez les épaules. Encore une inspiration ici. Et expirez pour relâcher les mains, apportez les mains derrière les fesses, venez entrecroiser les doigts, roulez les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel, éloignez les mains des fessiers à l'arrière. Et ouvrez toute la cage thoracique, ce cœur énergétique vers le plafond. Et expirez pour apporter le front au sol et continuez à éloigner les mains des fesses. Poussez les fesses vers les talons.
Dernière inspiration ici. Et expirez pour abandonner les bras, les mains vers l'arrière, puis passez les devant. Main à plat. Balasana. Écartez les doigts dans l'avant du tapis. Venez ventouser les mains par terre, les doigts bien écartés. Vous tractez sur un quatre pattes. Ramenez les mains largeur épaule, genoux largeur bassin. Puis étirez la colonne vertébrale en poussant les fesses derrière la ligne des genoux et la tête vers l'avant. Une inspiration ici et à l'expire, commencez par arrondir le bas du dos, la base de la colonne vertébrale, puis le milieu, le haut, passez sur le bout des doigts, dos rond. À l'inspire, creusez par le bas du dos, la tête en dernier va se redresser, le regard vers l'avant. Poussez les mains, talons des mains sur le tapis. Encore une fois, expire, arrondissez bas du dos, puis transmettez cette ondulation dans toute la colonne vertébrale jusqu'à ce que les doigts se lèvent, regard vers le nombril. Et inspirez pour en venir sur un dos plat, sensation de dos plat ici, regardez vers l'avant, retroussez les orteils, une inspiration ici, et à l'expire, la main droite va se lever, le pied gauche vers l'arrière, pliez la jambe et poussez le pied vers le plafond. Je peux rester ici, ou alors je peux venir essayer de prendre avec la main droite l'extérieur du pied, et poussez le pied dans la main pour monter le genou. Regardez vers l'avant et ouvrir tout ce côté droit. De manière continue, le pied gauche pousse dans la main droite. Une dernière inspire. Expirez pour relâcher. Amenez le genou au sol. Inspirez, détendez le dos, retrouvez votre autocondissement dans cette posture. Et expire, main gauche, pied droit pointe vers le plafond, talon du pied droit vers le plafond. Soit je reste ici à ouvrir, à regarder vers l'avant, à ouvrir vers l'avant. Soit à la prochaine expiration, je viens saisir l'extérieur de mon pied droit et pousser le pied dans la main. Dernière inspiration. Expirez pour relâcher. Ramenez main à plat, genoux par terre, fesses sur talons. Balasana. On va se tracter sur un quatre pattes. En tirant les mains vers le genou et allez apporter le bassin vers les mains, la tête en dernier, regarde vers le plafond, roulez les épaules légèrement vers l'arrière, les bras sont tendus. Expirez, retroussez les orteils, ramenez fesses sur talons. Inspire ici pour vous étirer. Les bras avancent vers l'avant du tapis. Expirez pour décoller les genoux de quelques centimètres. Reposez les genoux, abandonnez un peu plus cette zone des aisselles de la poitrine vers le sol. Expirez pour décoller les genoux, tendre les jambes et venir dans Adho Mukha Svanasana. Peut-être qu'ici les jambes peuvent rester fléchies avec le haut des cuisses sur le bas du ventre. Si je travaille les jambes tendues, j'écarte légèrement les talons vers l'extérieur. Je pousse mes genoux vers l'arrière.
Les os fessiers pointent vers le plafond. Haut des biceps tourne vers l'extérieur. Inspirez pour monter les deux talons. Expirez pour abandonner le talon droit vers le sol et pousser dans la main gauche, dans la diagonale. Inspirez, montez les deux talons. À l'expire, le talon gauche vers le sol, la main droite pousse dans la diagonale. Et inspirez, montez les deux talons. Expirez, descendez les deux talons vers le sol. Inspirez pour lever la jambe droite. Alignez vos hanches, poussez le talon gauche dans le sol. Laissez la cuisse droite, la cuisse qui est en l'air, rouler légèrement vers le tapis. Prochaine expire, pliez la jambe droite et ramenez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche par terre. Coup de pied par terre, inspire, montez les bras. Descendez les épaules, poussez les os fessiers vers l'avant. Le pied avant tracte vers l'arrière, le genou au-dessus de la cheville. Prochaine expire, tendez la jambe avant vers l'arrière, bout des doigts par terre. Poussez sommet du crâne vers le plafond. Inspirez vers l'avant, monte les mains en Dhyanasana. Laissez peut-être un peu plus l'écart, la cuisse gauche, la hanche fondre vers le sol. Peut-être creuser dans le haut du dos un peu plus et prochaine expiration. Vers l'arrière, tendez la jambe. Bout des doigts par terre. Entrez le menton, projetez la cage thoracique vers l'avant. Et inspire vers l'avant, les mains montent. Creusez dans le haut du dos et venez passer les mains à l'arrière. Entrecroisez les doigts derrière les fesses. Roulez les épaules vers l'arrière et éloignez les mains des fessiers. S'il n'y a pas de problème de nuque, le regard pourrait être porté vers le plafond. Prochaine expire, épaule droite à l'intérieur du genou droit. Et les mains vers l'avant. Et expirez pour relâcher les mains, posez la main gauche au sol, la main droite vers le plafond. Une inspiration ici. À l'expire, je passe le bout des orteils du pied gauche. Je tends ma jambe gauche. Je vais écarter au fur et à mesure ce pied droit. Mettre à l'extérieur du tapis. Et rouler sur le bord externe du pied gauche. Vasisthasana. Soit je reste ici. Soit je passe dans la posture complète avec le pied gauche sur le pied droit sur le pied gauche. Dernière inspiration. Si je suis resté avec la jambe droite pliée, je vais l'amener vers l'arrière sur une planche. Les talons vers l'arrière. Et expirez pour apporter le genou par terre et laisser le bassin glisser vers les mains. La tête se redresse, le regard vers le plafond, roulez les épaules vers l'arrière. Vos orteils se touchent. Expirez, abandonnez le corps, le front par terre. Les coudes le long du corps voudraient se rejoindre à l'arrière du dos. L'inspiration ici. Expirez pour lever le buste, la tête, les mains sont légères. Expire, retrousse orteil. Fesses sur talon, Balasana.
expire pour te tracter vers quatre pattes, retourner les orteils, décoller les genoux et tendre les jambes dans Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, c'est la jambe gauche. Pied flex, le talon pousse vers l'arrière, le talon droit pousse dans le sol. Les mains sont fermes et poussent dans le tapis. Roulez la cuisse gauche vers le sol pour aligner vos hanches. Continuez à tendre cette jambe de terre. Et à la prochaine, expire, pliez la jambe gauche et ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit par terre, le regard vers l'avant. À l'inspire, les mains montent. Vajrasana. Projetez les os fessiers vers l'avant. Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Et expire vers l'arrière. Tendez jambe gauche. Bout des doigts de part et d'autre du bassin. Poussez sommet du crâne vers le haut. Pied gauche, talon pousse vers l'avant. Inspire vers l'avant, les mains montent. Cette fois, je viens creuser un peu plus dans le haut du dos et abandonner un peu plus la hanche droite vers le sol tout en poussant les os fessiers vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Tendez les jambes gauches, bout des doigts par terre, sommet du crâne pousse dans la diagonale. Rentrez le menton. Inspire vers l'avant. Creuse un peu plus encore dans le haut du dos. Laisse les mains aller vers l'arrière. Et viens entrecroiser les doigts. Projeter cache thoracique vers l'avant en tournant les épaules vers l'extérieur. Une dernière inspiration ici. Expire. L'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Continue à pousser les mains vers la tête. Expirez pour défaire les mains. Posez main droite par terre et main gauche monte vers le plafond. Retroussez l'orteil. Contracte périnée. Expire pour tendre la jambe à l'arrière. Laisse la jambe gauche aller en dehors du tapis, le pied gauche, pardon, roule sur le bord externe du pied droit. Vasisthasana. On peut rester là, ou on peut porter le pied gauche au-dessus du pied droit. Projetez les hanches vers le plafond. Je ramène la jambe avant vers l'arrière sur une planche. On se retrouve tous sur une planche. Expire pour poser les genoux. Avancez le bassin vers les mains. Ouvrir les épaules. Projeter la cage thoracique vers l'avant. Le regard en dernier monte vers le plafond. Expire, abandonnez le front par terre. Venez avancer les avant-bras. Encadrez votre tête avec vos avant-bras pour la posture du Sphinx. Prochaine expiration, je presse dans les mains, je presse dans les avant-bras. Je redresse le buste, le front. Imaginez comme un cerceau qui partirait du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et expire vers l'avant, front au sol. Les mains reviennent au niveau des côtes flottantes. Je retrousse orteil. Prochaine expire, fesses sur talons dans Balasana. Expirez pour vous tracter sur un quatre pattes. Retour orteil, fesses sur talons, décolle genoux, tend les jambes. Et inspire pour monter la jambe droite. Fléchissez la jambe droite et ramenez le talon droit vers la fesse droite. Ouvrez le pli de laine du côté droit, portez les hanches l'une au-dessus de l'autre. La hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Continuez à presser dans les mains. Expirez pour apporter le pied droit entre les mains. Regardez vers l'avant. Une inspiration, la main gauche va monter. Je pose le talon droit par terre. J'ouvre les bras parallèles au sol. La cuisse avant.
voudrait elle aussi être parallèle au sol, Virabhadrasana 2. Continuez à presser le bord externe du pied arrière, le pied gauche dans le sol. Faire monter la rotule. Et cette cuisse avant voudrait être parallèle au sol avec le pied droit qui tracte vers l'arrière. Une dernière inspiration ici. Expirez pour tourner paume de main vers le plafond. Et renversez le guerrier. Grandissez-vous d'abord, puis peut-être vers l'arrière. Laissez la main gauche se balader le long du mollet gauche. Inspire, reviens. Expire, renverse. Inspire, reviens encore une fois. Et cette fois, avec expire, tu vas renverser et tendre la jambe avant. Les deux jambes sont tendues. Inspire pour revenir les bras parallèles au sol. À l'expire, je vais aller vers l'avant. Comme si je voulais chercher quelque chose très loin. Quand j'avance plus, la main droite se dépose sur le tibia, sur le pied ou sur un support. La main gauche vers le plafond. Soit je reste ici, soit à la prochaine expiration, la main gauche va venir derrière le dos. Comme si je pouvais la passer à l'intérieur de la cuisse avant, la cuisse droite, et ouvrir mon épaule droite, le regard un peu plus vers le plafond. Le nombril qui se présente vers le plafond. Sommet du crâne pousse toujours vers l'avant. Une dernière inspiration. Avant d'expirer, pour fléchir la jambe avant, apporter main gauche, puis main droite au sol. Ramenez jambe avant avec jambe arrière planche. Pose genou par terre. Et fesses sur talons dans Balasana. Envoyez les inspires vers les lombaires. Pour activer un massage dans cette zone. Vous soulager. Expirez pour vous tracter, retrousser orteil, décoller le genou et tendre les jambes. Et on inspire, on tourne la jambe gauche vers le plafond, fléchissez le talon vers la fesse gauche. Apportez la hanche gauche au-dessus de la hanche droite et continuez à garder le buste parallèle au sol, les mains qui poussent dans le tapis. Et la jambe de terre très solide, ancrée. Dernière inspiration. À la prochaine expire, j'apporte le pied gauche entre les mains, je regarde vers l'avant. Je pose le talon droit par terre avec les orteils du pilar qui regardent vers l'avant. J'inspire, je monte la jambe, la main droite. J'apporte les bras parallèles au sol, la cuisse avant fond vers l'avant, genou aligné avec la cheville et cuisse parallèle au sol. Continue à presser le bras externe du pied arrière dans le sol. Pressez dans l'air avec vos mains, baissez les épaules. Et prochaine inspiration, tournez la paume de main vers le plafond. Expirez pour vous grandir. Renversez le guerrier. Gardez pour l'instant la jambe avant, parallèle au sol. Laissez la main droite se balader le long du mollet droit. Et expirez. Revenez. Une inspiration ici, expire. Renverse le guerrier. Une dernière fois, inspire, reviens. Et cette fois, à l'expire, je tends la jambe avant. Je renverse. Et expirez pour apporter les bras parallèles au sol. Pliez dans la hanche avant vers l'avant. Et laissez la main gauche se déposer là. Elle se dépose. La main droite, elle monte vers le plafond. J'apporte la main droite derrière le dos, comme si je pouvais la faire passer à l'intérieur de la cuisse avant et ouvrir mon épaule droite vers le plafond, le regard vers le plafond. Nombril tourné vers le ciel, bord externe du pied droit pousse dans le sol.
Trikonasana. Et expirez pour fléchir la jambe avant. Amenez main gauche, main droite au sol. Retrouvez une planche. Expire, pose les genoux. Et inspire, apporte le bassin vers les mains. Roule les épaules vers l'arrière. Regarde vers le ciel. Et expire vers l'arrière. Ardha Mukha Svanasana, tend les genoux, tend les jambes. On va inspirer, lever la jambe droite vers le plafond. À l'expire, le pied va venir entre les mains. Je regarde vers l'avant, je pousse le talon arrière vers le sol. La jambe arrière est tendue. Une inspiration ici pour lever les bras vers le ciel. Expire, apporte les mains vers l'arrière, viens entrecroiser les doigts, roulez les épaules vers l'arrière. Prochaine expire, fléchis la jambe arrière, apporte le genou vers le tapis. Inspire pour tendre les deux jambes. Expire, plie le genou arrière, le genou avant, le genou arrière vient vers le sol. Expire dans les deux jambes. Défais les mains, apporte main contre sternum. Une inspiration ici pour fléchir la jambe arrière. Et à l'expire, venir apporter le buste vers l'avant. Décoller la jambe arrière dans un guerrier. 3. Soit je reste ici, soit je peux venir de nouveau entrecroiser les mains dans le dos. Et peut-être fléchir un peu vers l'avant. Dernière inspiration. Expirez pour apporter les deux mains à plat. Jambe arrière au sol. Jambe droite vers l'arrière planche. Et une expire pour aller trouver Balasana. Cette fois, les mains, les bras vers l'arrière, relâchez complètement le haut du corps, les épaules qui fondent vers le sol. Une dernière inspiration. Expirez pour porter les mains vers l'avant. Venir retrousser les orteils, décoller le genou. Étendre les jambes pour Ardha Mukha, on va faire l'autre côté. Inspirez pour laisser la jambe gauche monter. Fléchissez le talon gauche vers la fesse gauche. Alignez les hanches, continuez à pousser dans les mains. Tendez la jambe de terre. Expirez pour apporter le pied gauche entre les mains. Regardez vers l'avant, le buste est pour l'instant sur la cuisse avant. Poussez le talon droit vers l'arrière, sommet du crâne vers le plafond. Prochaine inspiration, les mains montent. Expirez pour apporter les mains derrière le dos, venir entrecroiser les doigts, rouler les épaules vers l'arrière. Une inspiration pour descendre, talon, genou, pardon, vers le sol. Expirez pour tendre les deux jambes. On est sur le bout des orteils du pied droit. La jambe est complètement tendue. Inspirez, descendez. Et une dernière fois, tendez les deux jambes. On va se laisser. On va décroiser les mains, porter les mains en namasté. Inspire, fléchis les deux jambes. Le buste retrouve la cuisse avant. Décollez le pied arrière. Le buste parallèle au sol pour un guerrier 3. Talon pousse vers l'arrière. Montez la jambe. Coulez la cuisse droite vers le sol. Soit vous restez ici. Soit vous venez entrecroiser les mains derrière le dos. Coulez les épaules vers l'arrière. Et fléchir le buste, la tête vers le tibia. Gauche.
dernière inspiration. Et expirez, apportez les deux mains à plat par terre. Jambe droite à l'arrière. Puis jambe gauche, planche. Expirez pour apporter les genoux par terre et le bassin vers les mains. Ouvrez cage thoracique. Ouvrez les épaules, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez pour apporter fesses sur talons, donc Balasana. Apportez les mains, les bras vers l'arrière. Laissez les épaules fondre vers le sol. Portez les mains à l'avant du tapis. Expirez pour venir vous tracter. Retroussez les orteils. Et trouvez Adho Mukha Svanasana. Installez la posture. Poussez les os fessiers vers le plafond. Tournez le haut des biceps vers l'extérieur. Réduisez cet écart entre le haut des cuisses et le bas du ventre. La main gauche va venir saisir l'extérieur de la cheville droite. Et je vais regarder vers le plafond, sous l'aisselle, dans une torsion. Continuez à pousser les genoux vers l'arrière, les os fessiers vers le plafond. Et à ouvrir ce côté droit. Dernière inspiration. Et expirez avant de venir faire l'autre côté. Main droite, cheville gauche, à l'extérieur. Dernière inspiration. Expirez pour apporter les deux mains à plat. Et on va marcher vers ses mains tranquillement. Les pieds entre les mains. Inspirez pour redresser de moitié le corps. Les os fessiers qui poussent vers l'arrière, la tête, sommet du crâne vers l'avant. Creusez dans l'eau, haut du dos. Le regard légèrement vers l'avant. Prochaine expire, les mains à plat. Uttanasana. Poids du corps légèrement sur les orteils. Et prochaine inspire, je fléchis les genoux, je regarde vers l'avant. Lève les mains vers le plafond. Utkatasana. Et expire pour presser dans les pieds. Viens rassembler en namasté. Et Tadasana avec paume de main vers la caméra. On va fermer les yeux quelques instants. Et on va soulever les orteils. Les écarter au maximum. Et quand je vais les redéposer avec cette volonté de les redéposer, mais très loin. Chaque surface du pied au sol pousse pour faire monter les rotules. Tournez le haut des cuisses vers l'extérieur. Les épaules légèrement tournées vers l'extérieur, sommet du crâne vers le ciel avec le menton absorbé. Retrouvez votre ancrage. Ouvrez les yeux, apportez les mains en namasté. Pouce contre sternum, puis bout des doigts vers la poitrine. Creusez dans le haut du dos, tournez le haut des cuisses vers l'extérieur et ouvrez. Venez entrecroiser les mains derrière les fessiers, roulez les épaules vers l'arrière et creusez un peu plus. Toujours en tournant le haut des cuisses vers l'extérieur pour protéger votre bas du dos. Dernière inspiration. Expirez pour regarder vers l'avant.
Fléchir les genoux et retrouver Utkatasana. Décambrer le bas du dos. Inspirer pour apporter les mains au sol et juste écarter les pieds, les orteils à l'extérieur du tapis. Rassembler les mains, namasté, pour trouver Malasana, la posture de la guirlande, avec ici cette intention et cette attention découplée sur le cœur énergétique, la poitrine, qui voudrait dépasser la ligne des épaules. Laissez le bas s'infondre vers le sol. Dernière inspiration. Expirez pour apporter les deux mains devant, apporter la jambe gauche, puis la jambe droite vers l'arrière et Adho Mukha. Une inspiration par les narines et à l'expire par la bouche. Encore une fois, laissez-vous inspirer et expirez par la bouche. On va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond. À l'expire, je vais apporter le genou droit devant mon poignet droit. Tendre la jambe arrière pour trouver la posture du pigeon. Ici, si j'ai un peu de hauteur, si cette fesse droite est trop éloignée du sol, je peux venir la caler. Mettre une brique ou un livre en dessous. Bout des doigts, de part et d'autre de la jambe avant. Soit je reste ici, soit si je suis confortable dans la posture, je viens monter les mains vers le plafond. Une autre variante possible, c'est de fléchir également cette jambe arrière et venir saisir le pied. Je peux poser pour l'instant une main. Venir saisir le pied par l'extérieur. Et ouvrir le bras vers le plafond. Relâchez. Posez les mains à plat, l'une au-dessus de l'autre. Et la tête dessus. Laissez le fessier droit fondre vers le sol, relâcher à chaque expire un peu plus, et la prochaine inspiration, pressez avec les mains dans le sol, redressez le buste, les mains à plat de part et d'autre du tapis, retroussez les orteils du pied arrière, puis retrouvez Adho Mukha Svanasana. Et on va faire l'autre côté. À l'inspire, c'est le pied gauche qui monte. À l'expire, le genou va venir devant le poignet. Tendez la jambe droite, coup de pied loin derrière. Toujours cette hauteur. Si j'ai fait de l'autre côté, peut-être que je n'aurai pas besoin. Mais si effectivement il y a trop d'espace, caler quelque chose sous le fessier gauche ou des doigts par terre. Sommet du crâne qui pousse vers le plafond, les mains montent. Soit je reste ici, à descendre les épaules, à aligner mon buste, à aligner mes hanches. Soit je peux venir essayer de saisir le pied arrière avec la main droite. Et peut-être la main gauche également vers le plafond. Relâchez. Main gauche, main droite, l'une au-dessus de l'autre, la tête dessus. Enlevez la hauteur, venez sous le fessier peut-être. Et relâchez. Chaque expire, cette hanche, ce fessier gauche glisse un peu plus vers le sol. Dernière inspiration. Poussez dans les mains, redressez le buste, ramenez une main, puis l'autre par le dos du tapis, retroussez les orteils de pied arrière
et retrouver Adho Mukha. Peut-être avec un goût différent de celui que nous avons fait en début de pratique. Expirez pour poser les genoux, fesses sur talons et Balasana. Apportez les mains à côté des oreilles, visualisez l'arrière de votre crâne et à la prochaine expiration, vous pressez dans les mains et vous poussez l'arrière du crâne vers l'arrière pour venir vous redresser dans un dos droit en Virasana. Une inspiration ici, puis à l'expire, on va tourner le haut des cuisses vers l'extérieur, passer sur ses genoux, retrousser les orteils. Mettre un écart bassin au niveau du genou pour voir cette stabilité. Et on va essayer de conserver les hanches toujours au-dessus des genoux. On va inspirer, lever les mains. Dos des mains pousse vers l'arrière. Je creuse déjà dans le haut du dos ici. Puis j'apporte la main droite sous la fesse droite et la main gauche sous la fesse gauche. Je roule les épaules vers l'arrière. Et je viens creuser dans le haut de mon dos pour trouver la posture du chameau. Ou alors directement, pour ceux qui ont l'habitude, connaissent la posture, je peux aller chercher les talons, toujours en projetant la cage thoracique vers le plafond, s'il n'y a pas de problème de nuque. La nuque peut accompagner le regard. Le regard peut se tourner, pardon, vers le ciel. Et projeter la cage thoracique vers le plafond. Gardez les cuisses au-dessus des genoux. Dernière inspiration, expirez pour regarder vers l'avant et redressez le buste et juste apportez fesses sur talons tranquillement. Posez le bout des doigts devant chaque genou et juste ici poussez le sommet du crâne vers le plafond et les os fessiers vers le bas. Et pressionnez le bout des doigts sur le tapis. On va aller sur l'arrière, tourner les pieds de côté, poser les fesses, ramener les jambes devant. On va installer le dos de Dandasana, on tire légèrement un peu les fesses vers l'arrière. On pousse les talons vers l'avant. Tout ce qui touche le sol le repousse. Donc je pressionne avec mes jambes le tapis, bout des doigts, pressionne également. Le sol, sommet du crâne vers le plafond. Inspirez pour monter les mains. Puis expirez pour aller vers l'avant, déposer les mains sur tibia ou sur les orteils et venir creuser dans le haut du dos pour garder un dos plat étiré avec le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Les coudes poussent sur les côtés pour essayer de laisser la cage thoracique passer vers les cuisses. Inspirez dans l'immobilité, à chaque expire peut-être, explorez un peu plus vers l'avant. Dernière inspiration, puis expirez pour revenir sur un dos plat, la tête sommée dans le piment de la vertèbre. Je plie dans la jambe gauche, le pied au niveau du genou. Je vais passer le pied de l'autre côté du genou. Je profite ici pour me grandir en me tenant à cette jambe gauche. Je pose la main gauche derrière les fessiers. Talon droit pousse vers l'avant. Le pied gauche est à plat sur le tapis. J'inspire, je monte, main vers le plafond. Expirez pour apporter le coude à l'extérieur du genou gauche. Et à partir du nombril, vous commencez à essorer en poussant le sommet du crâne vers le plafond.
En dernier, la tête regarde par-delà l'épaule gauche. Une dernière inspiration. Puis par le nombril, vous défaites la torsion tranquillement. Les épaules, puis la tête en dernier. Tendez la jambe gauche. Pliez la jambe droite. Passez le pied droit de l'autre côté du genou gauche. Poussez le talon gauche vers l'avant. Et ici, venez pressionner la cage thoracique contre cette jambe droite. On va poser la main droite derrière les fesses cette fois. Inspirez pour monter la main gauche vers le plafond. Et à l'expire, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je visualise mon nombril et je commence ma torsion par le nombril. Je monte le long de la colonne vertébrale. Et quand je suis au niveau des épaules, la tête vers la droite. Toujours trouver de la longueur avant d'aller dans la torsion. Dernière inspiration. Et par le nombril, je défais cette torsion. Les épaules reviennent et la tête revient. Également, je défais les jambes. Et je vais ramener les fesses vers les talons. Saisir derrière le creux palpité. Passer sur un équilibre fessier pour trouver Navasana. Je vais venir saisir les gros orteils et expirer pour ouvrir et projeter la cage thoracique vers l'avant, comme si elle venait, encore une fois, vous pouvez passer devant la ligne de mes épaules. Expirez pour revenir, redéposer talon au sol. Rapprochez peut-être un peu plus. On va s'allonger vers l'arrière, donc trouver de l'espace sur votre tapis. Entrecroisez les doigts devant vous, sauf pouce et index, et vertèbre après vertèbre. On va dérouler le dos vers le sol. On va faire un travail avec le demi-pont et avec un pranayama. Donc ici, je rapproche un peu plus les talons des fessiers. Je vais inspirer, apporter les mains derrière. À l'expire, je pousse le bassin vers le plafond. Les genoux sont parallèles entre eux. Inspirez ici pour venir fermer vos poings. Et à l'expire, vous videz complètement l'air des poumons en déposant le dos à plat par terre, vertèbre après vertèbre, avec cette intention de ramener les fesses au maximum, le plus proche possible des talons pour étirer la colonne vertébrale. On va refaire ça avec une fausse inspiration thoraxique quand on sera à la fin de l'expiration. Donc on ramène les mains à plat par terre pour l'instant. La fausse inspiration thoraxique, je rappelle, c'est la fin de l'expire. Je vide complètement tout l'air des poumons. Je verrouille anus sphincter, je verrouille la gorge. Et je fais comme si j'allais prendre de l'inspiration, j'allais prendre de l'air. Sauf que je ne prends pas d'air. C'est une fausse inspiration. Bon, prochaine inspiration. Les mains vont vers l'arrière. Expirez pour pousser le bassin vers le plafond, maintenant les genoux parallèles entre eux. Inspirez pour fermer vos poings. Et expirez, videz tout l'air des poumons, déposez petit à petit le dos à plat par terre, amenez les fesses au maximum, plus proche des talons. Puis verrouillez le sphincter, verrouillez la gorge. Et fausse inspiration thoraxique, vous absorbez le ventre. Et vous gardez
Puis vous relâchez quand ça devient inconfortable pour vous. Ramenez encore une fois, on va le faire une dernière fois. Ramène les mains à plat. À l'inspire, les mains vont aller vers l'arrière. Expirez pour projeter pubis vers le plafond. Genoux parallèles entre eux. Inspirez, fermez les poings. Expirez, déposez le dos, ramenant les fesses vers les talons. Puis verrouillez, anneau sphincter, verrouillez la gorge. Et on prend une inspiration sans prendre de l'air. Et relâchez quand ça devient inconfortable. Redéposez les mains. Tournez paume de main vers le plafond. Tendez la jambe droite. Tendez la jambe gauche. Fermez les yeux, puis relâchez les épaules vers le sol. Les hanches, les genoux, les chevilles. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce que nous avons fait, c'était pour ce moment, pour permettre aux postures de s'installer, de trouver naturellement leur zone, d'infuser dans le corps, de rayonner. Vous allez mettre du mouvement dans le corps. Peut-être venir traduire un sentiment, une envie intérieure, un bâillement, un étirement. Écoutez votre corps, il sait ce qu'il lui faut. Puis ramenez les genoux vers la poitrine. Faites des mains vers la gauche, vers la droite. Pour masser une dernière fois de la colonne vertébrale, le sacrum. Puis tendez le bras droit vers l'arrière, roulez sur tout le côté droit de votre corps, posez la main gauche devant vous et venez trouver une posture assise, confortable de votre choix. Ouvrez la bouche, expire, relâchez les épaules. Encore une fois, il inspire, il n'y a rien à faire. Juste à accueillir le souffle et à l'expire. Ouvrez la bouche, relâchez. On va venir se saluer en apportant les pouces au niveau du front, de la gorge et du cœur énergétique que nous avons grandement sollicité aujourd'hui dans nos postures.
inclinons pour notre pratique, pour ce moment que nous sommes accordés. Namasté, merci beaucoup encore une fois. Bonne semaine à tous et à très bientôt.